Mais non, mais c'est pas possible! Oh là là, mais je suis triste là! Oh là là, mais c'est pas possible! Ah, je suis déçu, les amis, je suis déçu. Bon, eh bien, bonjour tout le monde, c'est moi, Lucas Sunshine, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Tristounet. Voilà, j'ai perdu mon jeu Fort Boyard sur Nintendo Switch. Je suis vraiment Tristounet. Je suis vraiment déçu et dégoûté de moi-même. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Je vais vous expliquer. Oh là là. Ça me fait chier de faire ça, ouais. Mais malheureusement, j'ai perdu le jeu Fort Boyard. Je suis triste. Franchement, c'est vraiment dégueulasse. C'est dégueulasse. Voilà. Donc, du coup, les amis, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, le 6 juillet, je pense, si je m'en souviens bien, j'ai eu le nouveau jeu Fort Boyard sur Nintendo Switch que mes parents m'ont acheté pour moi. Voilà. J'ai joué à ce jeu pendant 4 heures, j'ai apprécié jusqu'au bout. On avait fait plusieurs parties sur le jeu, on a même fait le mode Boyard Party qui ressemblait à Mario Party au passage. Voilà, on s'amusait bien, voilà. Puis après, samedi suivante, j'ai eu un nouveau jeu, Super Mario Maker 2 sur Nintendo Switch. Hein. J'aurais pu vous faire une vidéo sur comme quoi j'ai eu le jeu enfin, hein. Mais bon, je tiens à vous le dire maintenant en vidéo, au passage. Ouais, j'ai eu le nouveau jeu Super Mario Maker 2, après des semaines d'attente. Donc j'ai joué à ce jeu Super Mario Maker 2 et j'ai fait des niveaux, c'était assez sympa. Mais bon, on revient à ce sujet de la vidéo, Tristounet. Alors, quand j'ai eu le jeu Super Mario Maker 2 sur Nintendo Switch, il était 18h après la fin du live Homer the Show. Donc voilà, c'est moi qui gère cette chaîne, je faisais le live. Donc j'étais redescendu pour me préparer à aller chez mon tonton. Et là, mes parents m'ont acheté le nouveau jeu Super Mario Maker 2 sur Nintendo Switch. Voilà, donc du coup, au moment d'aller chez mon tonton avec mes parents, ils m'ont acheté le jeu Super Mario Maker 2 sur Nintendo Switch. Voilà. Donc, on a été chez mon tonton. Et en fin de compte, quand je suis arrivé chez mon tonton, vu que j'ai passé 20 minutes. D'habitude, normalement, je dois aller chez mon tonton à 18h pile. Voilà. Donc mais comme j'ai resté un peu plus longtemps pour faire le live, donc je pouvais pas jouer à mon jeu Super Mario Maker la durée du combien de temps que je devais aller chez mon tonton à faire mon live. C'est un peu bizarre. Voilà, donc du coup après, quand j'ai eu enfin pouvoir jouer à Super Mario Maker 2 sur Nintendo Switch, j'avais oublié que mon jeu, la cartouche du jeu, Fort Boyard, était dans ma Nintendo Switch. Donc j'ai enlevé le cartouche du jeu Fort Boyard sur Nintendo Switch. Et comme j'ai pas pu avoir le temps de le mettre à ma place plus tôt chez moi, dans ma boîte de jeux que j'ai pour mettre des jeux là-dedans. Malheureusement, j'avais pas le temps, alors j'avais dû mettre la cartouche du jeu Fort Boyard, pas sur la boîte du jeu Super Mario Maker 2, mais non, sur mon sac que mes parents m'ont acheté, comme quoi, je vous explique rapidement pourquoi mes parents m'ont acheté un nouveau sac, voilà, comme ça. C'est parce que quand je vais chez mon tonton, je prends ma 3DS pour aller sur YouTube, sur Nintendo 3DS pour mon journal activité, pour que YouTube soit toujours premier, hein. Je fais toujours ça depuis des années, les amis. Et donc je voulais aussi prendre ma Nintendo Switch avec mon chargeur. Pourquoi je prends avec? C'est pour réagir à des émissions sur TF1 quand je suis chez mon tonton. Voilà, donc c'est comme ça. Voilà, donc du coup, je prends toujours mes trucs. Avant, je les tiens tous dans la main, c'était vraiment compliqué à tous tenir un coup. Mes parents en avaient marre que je les tiens tous dans la main. Hein. Donc alors, mes parents ont décidé d'acheter un sac pour moi, mettre mes affaires dedans pour aller chez mon tonton. Voilà, du coup, c'est pas évident. Voilà. Donc du coup, quand j'ai eu le jeu Super Mario Maker, samedi suivant, après que j'ai eu mon jeu Fort Boyard sur Nintendo Switch, j'étais chez mon tonton, m'offert le jeu pour pouvoir y jouer, et comme le jeu Fort Boyard, la cartouche du jeu était toujours sur ma Nintendo Switch, alors regardez, j'ai enlevé le jeu Fort Boyard sur ma Nintendo Switch, la cartouche du jeu, au lieu de le mettre dans la boîte du jeu Super Mario Maker 2, je l'ai mis sur mon sac noir, donc il était à l'intérieur, en attendant que je joue à Super Mario Maker jusqu'à que je rentre chez moi de chez Bill, de chez mon tonton pour remettre le jeu dans sa cartouche. Dans ma boîte de jeux avec les jeux Nintendo Switch 3DS, etc. Malheureusement, j'ai pas fait parce que j'avais oublié. Et donc, c'était resté sur mon sac depuis plusieurs jours.
Et après, hier, à ce moment-là, enfin, il y a 2 jours, puisque la vidéo il sort. Normalement, cette vidéo devrait être publiée le 24 juillet 2019. Malheureusement, j'aurai pas le temps de faire le montage parce que j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Et donc, j'aurais pu faire le 23 juillet cette vidéo, mais il fallait faire le rendu de ma vidéo Henry Tournage, ce qui a pris beaucoup de temps. Voilà, sur la chaîne Omer The Show. Je vous explique. Ma mère, pendant que je suis allé dormir, elle a pris ma Nintendo Switch. Et elle et ma mère voulaient que je joue à. Voulaient jouer à Fort Boyard sur ma Nintendo Switch pendant que je suis parti dormir. Parce qu'elle avait envie comme ça. Mais elle retrouvait pas la cartouche du jeu Fort Boyard pour jouer. Donc elle avait pas le choix que de jouer à Super Mario Maker 2 un peu sur ma Nintendo Switch. Ouais, c'est comme ça. T'es sérieux, maman? T'es pas obligé de jouer à ma Nintendo Switch pendant que je suis dormi, hein? Il faut d'abord déjà demander la permission d'abord. C'est un peu louche comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, après, donc, le 24, non, le 23 juillet, pardon. Mes parents, enfin, ma mère voulait jouer à Fort Boyard sur ma Nintendo Switch. Malheureusement, voilà. Donc, j'ai dû trouver la cartouche du jeu Fort Boyard sur ma boîte de jeu. Il n'était pas là. Alors, je suis allé voir dans les différents meubles de chez moi. Il n'y avait pas le jeu. Et donc, je suis allé sur mon sac pour voir si je l'ai pas laissé. Normalement, j'avais laissé la cartouche du jeu Fort Boyard dans mon sac. J'ai cherché partout, j'ai mis ma main à bouger partout pour voir si je trouve. Eh ben non, malheureusement, la cartouche du jeu a disparu. Donc, ce que ça veut dire que j'ai malheureusement, je n'ai plus le jeu Fort Boyard sur Nintendo Switch. Voilà, j'ai perdu mon jeu, ma cartouche du jeu. Donc, résultat, je ne peux plus jamais jouer à Fort Boyard. Mais non, mais c'est pas possible. Wouah, what the fuck? Mais non, je suis déçu, c'est pas possible. Là, je me suis fait engueuler par mes parents parce que j'avais perdu mon jeu Fort Boyard sur Nintendo Switch dans la cartouche du jeu. Voilà. Donc, j'avais perdu la cartouche du jeu, donc résultat, je ne peux plus jouer à Fort Boyard. Mais non, mais c'est pas possible. Oh, putain, mais c'est pas vrai. Je suis vraiment déçu, les amis. Bon, ouais. Je peux vous dire, c'est ma faute, les amis. J'aurais dû pas mettre la cartouche du jeu Fort Boyard sur mon sac. Après, il y aura des chances que ça pourrait tomber en chemin. Bah oui, comme moi, je ferme... Moi, comme un con, je ne ferme pas mon sac. Il reste tout le temps ouvert, comme ça, j'ai plus facile. Et donc, ça se peut que la cartouche du jeu que j'avais mis dans mon sac, il est peut-être tombé en chemin. Donc, ça veut dire que la cartouche du jeu, bah, il a disparu dans le néant. Voilà. Donc, du coup, bon, c'est à peu près ma faute aussi, et à faute de mes parents aussi, parce qu'en fait... Quand j'avais terminé mon live, Omer The Show, à 18h15, je devais aller chez mon tonton, et à ce moment-là, mes parents, ils ont montré comme quoi ils ont acheté le nouveau jeu Super Mario Maker 2 sur ma Nintendo Switch. Mais non, j'ai pas eu le temps de ranger la cartouche du jeu Fort Boyard dans ma boîte de jeu chez moi. Alors, comme je savais pas que le jeu était encore dedans, j'ai dû retirer la cartouche du jeu Fort Boyard sur ma Nintendo Switch. Et le mettre dans mon sac, en attendant que je rentre de chez mon tonton, pour pouvoir le remettre à sa place. Mais non, malheureusement, j'ai oublié, et après quelques temps, le jeu était resté dans le sac, et un jour, la carte du jeu a disparu. Ça veut dire que mon jeu Fort Boyard, je l'ai perdu, je n'ai plus le jeu. Voilà, donc du coup, c'est triste, punaise, mais j'en ai marre! Je me suis fait engueuler pour ça, j'essaie de chercher le jeu partout pour la retrouver, comme ça, maman... Ma mère peut jouer sur ma Nintendo Switch, ben non, je l'ai perdu. Voilà. Bon bah du coup les amis, je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, c'est ma faute. Hein. Ah bah oui, c'est un peu ma faute à mes parents, hein. Si on m'aurait laissé au moins quelques temps, hein. Bah oui, mes parents, quand il est l'heure d'aller chez mon tonton, qu'on est en retard, on est pressé, hein. On est vraiment pressé. Donc ça se fait que j'ai pas eu le temps de remettre la cartouche du jeu Fort Boyard à sa place, comme ça je puisse mettre celui de Super Mario Maker 2 sur ma Nintendo Switch. Voilà, donc du coup, les amis, je tiens à m'excuser. Oh là là, je suis vraiment dégoûté. Je suis en train de pleurer, là, c'est pas possible. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je suis vraiment désolé, hein. Je suis vraiment dégoûté. C'est pas possible. Oh là là, je suis vraiment dégoûté, les amis.
J'arrive pas à croire que j'ai perdu un jeu Nintendo Switch, putain. Déjà, quand c'était petit, ça m'est arrivé de perdre des cartouches de jeu. Puisqu'on était petit, on est... voilà, comme vous pouvez le voir. Mais là, à cet âge-là, maintenant... J'ai vraiment fait une erreur, les amis. J'aurais dû enlever la carte du jeu Fort Boyard et la mettre dans ma boîte de jeu, petite boîte de jeu en place. Mais non, comme je devais aller chez mon tonton, j'ai pas pu le faire. Et résultat, j'ai mis la cartouche du jeu dans mon sac puisque j'étais chez mon tonton. Et maintenant, il a disparu. Je l'ai perdu. Voilà, ma mère et moi, mes parents, on a dû chercher partout après le jeu, la cartouche du jeu. Malheureusement, je l'ai perdu. Ah oui, c'est triste les amis, hein. Je sais rien faire, hein. Donc du coup, ce que ça veut dire que j'ai plus le jeu Fort Boyard sur Nintendo Switch, franchement c'est triste. Mais non, mais c'est pas possible, hein. Mais non. Oh là là, je suis vraiment dégoûté, hein. Franchement, je suis triste. Donc du coup les amis, voilà l'histoire de ce qui s'est passé il y a quelque temps. J'ai perdu mon jeu Fort Boyard sur ma Nintendo Switch. Vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur le jeu Fort Boyard sur ma Nintendo Switch où je jouais avec vous en vidéo. Malheureusement j'ai perdu le jeu, je ne pourrai plus vous faire des vidéos sur ce jeu si j'aurais envie, ni d'y jouer. Parce que tout simplement, mes parents m'ont acheté la version boîte du jeu Fort Boyard sur ma Nintendo Switch avec la cartouche du jeu forcément. Et je l'ai perdu, voilà. Donc du coup, est-ce que ça veut dire que j'ai plus le jeu Fort Boyard, j'ai plus rien du tout, c'est vraiment triste, tristounet. C'est vraiment triste. Oh là là, je suis vraiment déçu, hein. Si seulement je pouvais récupérer le jeu, je serais vraiment content, hein. Mais bon, malheureusement, une fois qu'un truc, qu'une chose a disparu, on ne peut plus la récupérer. Voilà, donc du coup, je sais pas si mes parents voudraient racheter le jeu Fort Boyard, mais bon, malheureusement... Ma mère, il m'a dit, je suis désolé Lucas, je vais pas racheter un autre jeu Fort Boyard que t'as perdu parce que ça va coûter de l'argent et ou comme ça, c'est comme ça. Voilà, donc du coup les amis, si vous avez le jeu Fort Boyard sur la Nintendo Switch, en version boîte de cartouche de jeu, s'il vous plaît, vous pouvez me le donner à moi parce que j'ai perdu mon exemplaire du jeu Fort Boyard sur Nintendo Switch, je suis vraiment désolé, mais malheureusement, c'est comme ça, mais non. Mais c'est pas possible, non! C'est pas vrai, mais c'est pas possible. Je suis vraiment triste, les gars. Alors là, je suis vraiment triste, je suis vraiment triste. Voilà, donc du coup, les amis, si vous avez pas des solutions, si vous pouvez me donner le jeu Fort Boyard pour moi sur Nintendo Switch, parce que là, j'ai perdu mon jeu, hein, malheureusement. Si vous êtes, s'il vous plaît, soyez gentils. Donnez-moi le jeu Fort Boyard sur ma Nintendo Switch, comme ça je puisse la récupérer et oublier cette histoire, parce que là, je suis vraiment triste. Maintenant, c'est comme ça. Bon, mes amis, c'est la fin de cette vidéo tristounet. Je suis vraiment désolé de ce qui s'est passé, mais malheureusement, j'ai perdu mon jeu Fort Boyard sur ma Nintendo Switch. Je suis en dépression, hein. Mais au moins, la bonne chose, c'est que, heureusement, c'était pas le jeu Super Mario Maker 2 que j'ai perdu sur ma Nintendo Switch. Sinon, je dirais péter un câble, j'irais me suicider, j'irais pleurer tellement c'est chiant. Oh là là, ce serait tellement horrible. Bon, et bien, mes amis, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. C'est vraiment triste, hein. Oh là là, j'aurais dû... purée. Et je vous dis, hein, la prochaine fois que j'aurai un nouveau jeu de ma Nintendo Switch et que je dois retirer l'autre cartouche de ma Nintendo Switch pour le remettre à sa place et pouvoir profiter du nouveau jeu, la prochaine fois, je ferai plus attention. Hein. Franchement, parce que là, j'ai pas envie de faire tout le temps la même blague avec mes nouveaux jeux, de tout le temps les perdre, qu'on achète un nouveau jeu vidéo pour rien du tout, pour la faire perdre. Waouh, n'importe quoi. Voilà, je suis triste, les amis, je suis en dépression, je peux vous dire, c'est vraiment triste et malheureux. C'est comme ça. Bon, eh bien mes amis, c'est triste. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Je sais, c'est triste, mais malheureusement, je sais rien faire. Bon, eh bien mes amis, à bientôt pour des prochaines vidéos. J'espère que vous l'avez apprécié et à bientôt pour des prochaines vidéos. Ouais, je suis vraiment triste, mais malheureusement, c'est comme ça. Je sais rien faire. Bon, bah, à bientôt mes amis pour des prochaines vidéos. Allez, à bientôt. Je suis vraiment triste, mais malheureusement, c'est comme ça. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao, à bientôt.
Thank you.